il se pourrait qu'il y ait un couple très très lourd. Oula. Ce couple serait composé de Shakira. Et déjà ça pèse. Et Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, le célèbre pilote. Ils ont été aperçus ensemble au Grand Prix de Miami et de Barcelone. Le pilote britannique a invité des amis à lui et Shakira au restaurant pour fêter sa deuxième place sur le circuit de Catalunya. Donc ils sont de plus en plus proches. Et selon une source proche, j'aime bien les sources proches, c'est qui ça? Bref. Selon une source proche, ils passent du temps ensemble et ils apprennent à se connaître. C'est fun, ils flirtent. Moi je vous dis, ça sent le rapprochement. Alors, petit conseil pour Lewis Hamilton. Ramasse tes slips, vide le lave-vaisselle, rentre bientôt à la maison, sinon tu vas te retrouver avec une chanson qui te défonce numéro 1 des charts, donc fais gaffe mon pote. Petit conseil entre hommes. Oui Yannick. Mais maintenant on peut plus dîner avec une copine sans qu'on couple avec. Bah non. On a dîné tout le temps ensemble nous. Non. C'est pas vrai. Déjà, j'ai déjeuné une fois avec Diane. Non. Premièrement, et deuxièmement, ne me mets pas dans la merde, s'il te plaît. Oui. Ah oui, c'est ça. Fabien. Et quand tu dis, par exemple, une source proche, par exemple, est-ce que moi je peux être une source proche de votre relation avec Diane ou pas? Bah oui, par exemple. D'accord. Moi, je peux. Alors, si jamais un journal People une source m'écoute, proche du dossier. Ils peuvent m'appeler, je vais les sourcer, tu vas voir. Par image. Je vais les sourcer. Donc, on s'est fait un petit quiz, couple ou pas couple, et on va jouer Claire qui est au standard. Salut Claire. Salut Guillaume, salut toute l'équipe. Bonjour Claire. Claire, couple ou pas couple? Couple. Toi, couple, très bien. Kate Moss et Pete Doherty, couple ou pas couple? Couple. Ouais, couple. Entre 2005 et 2007, ils ont vécu une belle histoire d'amour compliquée et passionnée. Kate Moss et Pete Doherty. Et selon la rumeur, Pete Doherty aurait quitté Kate pour se mettre en couple avec un homme nommé Jack Daniels. Oh, je plaisante. Oui. Oh, non. Je plaisante. Ryan Reynolds et Alanis Morissette. Pas couple. Et si couple, les deux stars canadiennes se sont rencontrées en 2002 et deux ans plus tard, ils décident de se fiancer. Et quelques mois après seulement, ils décident de se séparer. Vous connaissez Ryan Reynolds? C'est l'acteur de Fast and Furious. Non. Ah non, pardon. Pour moi, c'est un super-héros. Super-héros, oui. Deadpool. Il joue dans Deadpool, excusez-moi. Deadpool, propriétaire d'un club de foot. Oui, exactement. En Angleterre. Ouais. Il est millionnaire. Enfin, c'est le plus riche des acteurs. Ouais, de West Ham, je crois. C'est ça. Faudel et Marine Le Pen. Oh non, pas cool. Cyril Lignac et Sophie Marceau. Ah oui, couple de ouf. Il aurait déclaré Cyril Lignac que Sophie est une femme délicieuse, craquante et fondante. Mais encore en couple ou plus en couple? Plus en couple. Mais oui, Cyril Lignac qui enchaîne. Je suis pas dans les petits papiers moi. William Sorin et Margot Robbie. Couple ou pas couple? Pas couple. Matthew Perry qui joue Chandler dans Friends et Julia Roberts. Ah ouais? Il y a moyen. Et bah couple. Ils sont sortis ensemble pendant un an durant le tournage de Friends. Ah ouais, parce que lui, c'est à l'époque, il avait des gros problèmes de drogue. Hein. Ah ouais? Ah bah oui, il en a parlé une fois que ça s'est terminé en disant qu'il y a, je crois, une saison entière dont il ne se rappelle pas tellement il prenait de drogue. C'est incroyable. Et enfin, Laetitia Hallyday et le bonhomme CTLM. Couple ou pas couple? Non, elle aimerait bien, mais alors c'est pas pareil. Claire, merci d'avoir joué avec nous, on se fait des bisous. Le Morning sans filtre jusqu'à 9h30 sur Europe 2.